Bonjour, bienvenue aujourd'hui pour une vidéo de présentation de l'oracle Le Cirque Divin d'Alana Fairchild que vous pourrez trouver aux éditions Vega. Cet oracle est donc, vous l'aurez bien compris, hein, sur le thème du cirque qui vous invite à utiliser votre créativité, votre esprit libre aussi et à peut-être sortir aussi de la zone, de votre zone de confort, en tout cas avec de très jolis messages. J'aime beaucoup cet oracle. Vous le trouverez dans cette boîte là, avec on va voir si ça tient, voilà, un petit pochon où se trouvent les cartes et un livret donc explicatif où vous aurez, voilà, toute une explication, donc un petit résumé de la carte tirée avec un long texte plus développé. Et ensuite, des petites astuces de guérison et des affirmations pour bien vous imprégner de la carte si vous le souhaitez. Vous avez aussi des exemples de tirage en début de livret. Donc le livret est assez grand. Donc vous verrez aussi que les cartes sont de taille quand même assez grande. Donc voilà le dos des cartes. Donc toujours dans l'esprit cirque. Personnellement, bon, je trouve ça très très joli. Ça fait vraiment très piste aux étoiles. Vous avez les tranches dorées. Et voici donc les illustrations. Donc il faut vraiment effectivement aimer le côté cirque. Hein. Donc je vais vous les faire défiler au fur et à mesure. Personnellement, je trouve que les dessins sont très très jolis. C'est d'ailleurs ça qui m'a poussé à acheter ce jeu, pardon, excusez-moi. Fait pour vous, donc vous verrez, voilà, c'est vraiment, je trouve, très 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 joliment fait. Donc la reine de velours, le pierrot espiègle, ses manières diaboliques. Les messages qu'il y a sont très très jolis. Expert démasqué, vous verrez, la mort ne l'amènera pas. Vous avez, voilà, je vous laisse vous imprégner de chacune de ces cartes. Donc 44 cartes au total, qui sont toutes aussi, aussi intéressantes, aussi joliment dessinées, beaucoup, beaucoup de détails, vraiment beaucoup de rapports avec le cirque, normal. Le jongleur, la duchesse blanche, ré. Voilà. Donc si vous aimez l'esprit cirque, si vous n'avez pas peur des clowns, cet oracle pourrait vous plaire. Dissimulation divine. Donc des fois, au tout début, quand je l'ai eu, je trouvais que peut-être que l'image était forte ou sombre, ou j'avais peur, je me disais, bon, ça doit être une mauvaise carte, ou quelque chose d'assez, peut-être, de message très fort. Et en fait, non, les messages sont très jolis, vraiment vierge rayonnante. Même si là, on dirait qu'elle a l'air un peu triste, hein, mais voilà, justement, effectivement, il peut y avoir un côté sombre sur ces cartes, mais le texte est très beau. Hors des ténèbres. Prêtresse steampunk. Donc Alana Fairchild est connue pour avoir fait beaucoup beaucoup d'autres oracles. Malheureusement, je n'en ai pas beaucoup. Je n'en ai pas d'autres d'elle. Je suis en train de. Mais c'est vrai qu'elle a touché à plusieurs univers en tout cas. Petit cœur. Le fou sacré. Le secret de Shinobi. Donc là, très inspiré. Inspiration Japon. Donc Dame Chance qui est donc la dame, la carte du coffret. L'invité d'honneur. Supernova. Rare, pur, réel. Le clown de la croisée des chemins. Et enfin, confetti. Je vais vous tirer une carte juste pour que vous puissiez vous rendre compte
des petits textes. On va faire comme ça. Hop, on prend le... Voilà. Donc, c'est le jongleur. Donc, le jongleur... Le jongleur. Alors, désolée. Je mets un peu de temps à trouver le jongleur. Voilà, ça, je trouvais, je cherchais, voilà, les numéros de cartes sont peut-être, voilà, sont un peu petits, ils sont juste là. Donc là, c'est le numéro 30, donc. Donc, numéro 30, hop. Voilà, donc le jongleur. Juste, voilà, pour vous donner une petite idée du texte, je vous lis juste les premières lignes, je ne vais pas les développer. Beaucoup de projets dans l'air, des aspirations et des inspirations partout, des mesures à prendre, des engagements à mettre en œuvre et bien d'autres encore. Alors dites oui, sans hésiter, tout ira pour le mieux. Donc voilà, c'est voilà, typiquement le genre de message que vous pouvez trouver. Donc après, vous avez plus de détails, effectivement, si vous voulez lire le message en entier, donc sur le carnet. Et voilà, donc c'est même si des fois, comme je vous expliquais, les cartes peuvent être un peu sombres, les messages restent très très jolis et justement très inspirants. Typiquement là, voilà, on vous dit d'oser aussi, de foncer, d'y aller. Si vous avez un projet qui vous inspire, qui vous motive, allez-y. Et c'est ça qui est, voilà, je trouve ce cirque, cet oracle du cirque divin très très bien fait. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt, pardon, pour d'autres vidéos. Au revoir.